La conclusion du championnat de France hier avec les tout derniers enjeux et le soulagement de Lyon qui retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine. L'OL a gagné 2-0 face à Rennes grâce à un pénalty de Lisandro et un coup franc de Grenier. L'objectif de départ est donc atteint pour les Lyonnais. Je peux vous assurer que la conviction pour jouer la Champions League une 13e fois va être immense, surtout compte tenu des efforts qu'il a fallu faire pour être présent sur le podium ce soir, et on est très heureux. Je sais que vous êtes objectif et que vous savez que le travail que Rémi Garde a fait et les joueurs a été un travail formidable qui me rend totalement heureux ce soir. La joie de Nice également, la victoire 2-0 contre Ajaccio permet aux Aiglons de se qualifier pour la Ligue Europa. C'est la première fois en 16 ans. Nice termine sa saison devant Saint-Étienne et devant Lille. Enfin, la Ligue 1 pour 3 s'est terminée. L'Estac a perdu 2-1 face à Valenciennes. Les Troyens qui rejoignent Nancy et Brest en Ligue 2. Le PSG de son côté a achevé sa saison en beauté, large victoire 3-1 face à Lorient. Ibrahimovic a marqué son 30e but de la saison en Ligue 1. Il égale le record de Papin en 90. Quant à Le Chrome, il a été le héros malheureux de cette soirée. Le gardien parisien est entré sur le terrain pour la première fois de la saison. Il n'y est resté qu'une dizaine de minutes avant de prendre un carton rouge. Une autre sortie, voilà ce qu'il aurait préféré. C'était le dernier match de la saison, ça se passait plutôt bien. Quand je suis allé le voir, j'ai dit c'est peut-être mon dernier match de ma carrière. Donc vous voyez, c'était un contexte particulier. Et puis peut-être que dans ces conditions, la sanction était un peu lourde, mais bon, je n'en veux pas. Après tout, finalement, c'est une sortie qui va marquer. Une première journée prolifique pour les Français à Roland-Garros. Gilles Simon tout d'abord a battu Leighton Hewitt en 5 manches. Il s'est fait un peu peur. À presque 3h30 de jeu et des imprécisions qui inquiètent le joueur. Moi je suis vraiment déçu de rentrer sur le terrain en faisant un match aussi mauvais dès le départ. Après c'est sûr qu'il y a du bon, il y a une belle réaction, il y a un match gagné en 5-7. Il y a eu à certains moments un bon niveau de jeu aussi. J'ai réussi à envoyer quelques bons coups, notamment côté revers. J'ai eu une très très belle séquence à un moment, donc ça montre que c'est là. Maintenant, il faudra arriver à le faire plus tôt et plus souvent. Mickaël Yodra lui aussi accède au deuxième tour. Il a battu le Belge Darcis. Jérémy Chardy est également qualifié, tout comme Razzano ou encore Garcia chez les filles. Côté favori, pas de mauvaise surprise pour la grande favorite Serena Williams, qualifiée pour le deuxième tour. Idem pour le Suisse Roger Federer, également qualifié sans encombre. Des Français, on va en suivre encore aujourd'hui 11 au total, parmi lesquels Joe Wilfried Tsonga ou encore Gaël Monfils. Tsonga jouera contre le Slovène Beden. Quant à Monfils, il sera opposé à Thomas Berdych. Ouais, motivant, ça donne aussi plein d'énergie. Mais après, quand on revient sur le terrain, on se rend vite compte que finalement la fatigue est toujours un peu là et présente. Mais ça fait du bien, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu ici. Donc je suis un peu comme un enfant.